La vidéo sur la vie de mes chats, comment je les ai eus, etc., vous a beaucoup plu. Donc j'ai décidé d'en faire une autre. C'est ce que mes chats ont détruit pendant leur carrière, à peu près en plus de 2 ans du coup. Alors on va commencer de ce qu'ils ont commencé à détruire et ce qu'ils ont fini. D'ailleurs, il y a des trucs que je possède encore, hein, vous verrez les petits séquelles du coup. Alors ils ont commencé par détruire leur premier panier. C'était un panier où il y avait de la laine, etc. En dessous de la mousse, exactement. Ouais, voilà, c'était de la mousse. Et ils me l'ont complètement saccagé. Après, peut-être, ouais, 3-4 mois dedans, j'étais dégoûté. J'avais de la mousse de partout. Ils m'ont également saccagé dans la Loire, des rideaux. Alors, c'était plus des rideaux, c'était des lambeaux à la fin, plutôt. voilà. C'est plutôt cool. Ils ont également saccagé dans la Loire. Voilà, je vais vous le montrer. Les chaises. Alors, elles ont toutes morflé. Donc là, je vous montre celle qui a le moins morflé, hein, évidemment. Donc celle-là, elle a un peu morflé, mais ça va. Je crois que c'est celle-là et la noire qui ont le plus morflé. Ah, regardez-moi ça. Là, elle a morflé quelque chose. Ils ont détruit, voilà. La noire là-bas, on la voit bien aussi. Regardez. Ils l'ont explosé. Il y a ça qu'ils ont détruit. Il y a la nappe. Voilà, là, on a coupé les bouts. Mais ils ont mangé carrément un bout de nappe. Ah, bah oui, forcément. Je tiens le téléphone, ça fait durer un rayon de soleil, il joue avec. Il a rien compris, ce chat. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont détruit d'autre? Dans la Loire, ils m'ont détruit 2 casques aussi. 2 casques audio. Ouais, ça c'est pas cool. Surtout qu'en plus ils auraient pu s'électrocuter en le bouffant. Bon, ça s'est pas fait heureusement. Heureusement que l'appareil était éteint. Donc voilà. Est-ce qu'ils m'ont mangé autre chose dans la Loire? La Loire, je réfléchis. Ils avaient fait les griffes sur l'escalier aussi de là-bas. Donc, quand j'ai rendu l'appartement, bon, bah, je l'ai parpeint et ils l'ont pas vu, donc tant mieux. Mais après, ça, c'est pas de la grosse destruction. Sinon, c'est tout. Voilà, après, ils ont été plutôt réglo, à part ça, dans la Loire. Après, sinon, chez ma mère, ils s'occupaient à manger les plantes. Voilà. On va dire que le petit mois de séjour chez ma mère, elle avait plus de plantes. Bouffer les plantes. D'ailleurs, Shadow s'était coincé une plante. On a cru devoir l'amener au véto, mais non, ça va. Hein? Et ouais. Donc, tant mieux. Et après, on est arrivé ici. Et ici, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait quoi ici comme bêtise? Je crois que les seules bêtises qu'ils m'ont fait ici, c'est de manger mes casques audio. Ils m'en ont mangé 3. Déjà ici, oui. Ça s'est passé même en début d'année. Enfin, j'étais en formation, donc entre la fin d'année et début d'année. Super, merci les chats. Et après, à part ça, c'était des petits pipis à droite à gauche qui m'ont fait. Donc ça, bon, c'est des petites bêtises qui arrivent. Et est-ce qu'ils m'ont mangé autre chose? Oui. La ciboulette aussi. Ma mère m'avait donné un plant de ciboulette. Bah non, ils n'ont pas voulu le plant de ciboulette. Du coup, ils l'ont mangé. Devient fou. Et voilà. Voilà tout ce qu'ils m'ont détruit en l'espace de 2 ans. Donc, ça va. Je m'estime heureux. Ils n'ont pas fait énormément de dégâts. Il y en a eu un peu, oui, c'est sûr. Mais pour des chats d'intérieur, je m'estime chanceux.